Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Maker. Et oui, aujourd'hui, pas de niveau automatique, simplement parce que j'avais pas envie. Et quand j'ai pas envie, en gros, c'est de 3. Parce que d'habitude, quand je suis en niveau automatique, c'est-à-dire que j'ai envie, donc du coup, c'est de 3 à 4 heures. Voilà, où je me fais plaisir, quoi. Tandis que si j'ai pas envie, bah ça va être 3-4 heures où je vais m'enquiquiner plus qu'autre chose. Donc aujourd'hui, je vous présente un niveau, voilà. Donc la semaine prochaine, il y aura un niveau automatique, mais parfois il se peut qu'il y ait des présentations de niveau. Donc aujourd'hui, je vous présente un niveau que j'ai fait donc aujourd'hui, hein, à l'heure où je tourne, quoi. Donc je suis plutôt fier. Donc, et qui s'appelle Minecraft version 1.11 pour Mario. Alors vous pouvez voir que ça fait pratiquement toute la map, quoi, hein, sur la bande en bas. Donc pourquoi Minecraft version 1.11. Mario? Tout simplement parce que Minecraft, parce que c'est un niveau où j'ai un peu reproduit le style de Minecraft, hein. Vous voyez que, enfin, vous pouvez voir la date à laquelle il a été créé, hein. Donc ça reproduit un peu le style de Minecraft et c'est parce que j'ai voulu faire une aventure Minecraft. Et donc version 1.11. Mario, tout simplement c'est parce que la version 1.11 c'est une version de Minecraft, parce que je crois que maintenant c'est un 1.12, enfin je suis plus trop, quoi. Et pour Mario, tout simplement pour dire que c'est vraiment un niveau de Mario. Donc dans un premier temps, on va jouer. Je vais vous expliquer un peu un peu en jouant, quoi, ce qui, comme, pourquoi j'ai fait ça. Voilà, simplement. Donc, attendez. Donc c'est sur un style Mario 3D World ou Mario World, je sais plus trop comment ça s'appelle, excusez-moi. On va commencer dans une petite maison, donc voilà, comme Minecraft. Donc les Koopas seront les PNJ, voilà, tout simplement. Donc je les ai enfermés comme ça, ils vont faire aucun dégât. Normalement c'est vraiment pas un niveau où vous devez mourir, hein, vraiment. Donc là vous avez une petite forêt, donc si vous prenez la porte de votre maison, vous atterrissez tout simplement dans la fumée de votre cheminée. Donc après vous pouvez aller voir les nuages, parce que j'ai mis des nuages quand même, voilà. Donc un petit pont. Après on arrive dans une grotte et vous pouvez voir qu'il y a une porte avec une clé. Donc j'ai mis deux trucs comme ça, c'est simplement parce que là si on tombe, au moins on a quand même un truc pour remonter. Voilà, simplement. Voilà, en gros c'est ça. Hein. Donc on arrive du coup dans la grotte et on a trois possibilités d'endroits. Vous allez voir que, vous voyez, c'est pas parfaitement colorié, on va dire, avec les blocs là. Parce que j'ai fait exprès de laisser des trous, voilà. Donc là on a un petit champignon. Comme vous avez pu remarquer. Donc alors les Goombas, ce sont des mineurs, voilà. Donc là ils vont prendre des dégâts évidemment, mais dans mon mode d'esprit pour le jeu là, pour le niveau, je les ai représentés pour en tant que mineurs, simplement parce que vu qu'ils ont une tête assez ronde, ça fait comme un casque de mineur. Voilà. Donc au passage, le bouton P là qui vient que sur lequel je viens d'appuyer sert à rien, c'est juste un décor. Donc pourquoi des mineurs? Simplement parce que il n'y a pas de mineurs de Minecraft, mais si vous allez voir que dans le niveau il n'y a pas que des trucs de Minecraft, hein, je sais rajouter des trucs touches personnelles, quoi. Mais tout simplement j'avais envie d'en mettre, voilà, pour faire un peu de monde dans le niveau. Donc vous avez aussi beaucoup de lianes pour le décor, hein, voilà. Donc là, hop, parce qu'il y a des Goombas, hein, je vous dis, hein, il y a des mineurs. Donc là de base, il y avait des bobombes, donc les bobombes je les ai représentés en tant que creeper. Donc j'ai mis des lasers pour qu'ils explosent, pour qu'ils laissent libérer le mur. Donc là on a un petit Kamek et après, qui est en tant qu'ikiné. Et le Kamek, si vous le tuez, voilà, avec une petite boule de feu, vous aurez une clé. Voilà, c'est pas très très compliqué. Le Kamek qui représente la sorcière de Minecraft. Donc là j'ai fait une toute petite maison, un peu différente des autres et beaucoup plus petite. Ça, vous voyez que là il y a pas mal de trous, hein, parce que voilà, tout simplement j'ai fait exprès. Là l'ascenseur, c'est un peu comme l'ascenseur à Minecraft, hein. Voilà, je vous dis, faut un peu imaginer dans ce niveau, hein, faut vraiment imaginer. Ce niveau, je crois qu'il m'a pris minimum une heure, voire une heure et demie, hein, donc voilà, je trouve, franchement, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Donc du coup, on descend et on peut passer par là, très bien. Ensuite, vous arrivez dans une maison, donc voilà que là, c'est fermé. Donc sachez que, voilà, tous les trucs là, comme ça, avec le pont, avec des liens dessus, c'est comme des champs de plantation, vous voyez, des champs de blé dans les villages, tout simplement. Donc le pont, il sert à faire des champs et des ponts, voilà. Donc là, vous montez par là, donc là, j'ai mis des lasers, tout simplement, pour faire comme s'ils brûlaient quelque chose, comme dans la cheminée, donc du coup, ça faisait de la fumée. Mais normalement, vous ne devez pas vous faire tuer, puisque je les ai mis de façon à ce que ça vous fasse, à ce que ça vous fasse pas mourir. Donc là, lui, il balance des pièces, donc lui, il fait pas partie de Minecraft, c'est pareil, hein. Donc vous pouvez le prendre si vous voulez, hein. Je crois que ces deux portes, elles sont reliées, hein. Enfin bon, voilà quoi. Je vais descendre parce que bon, je vais vite tricher un petit peu. Non, normalement elles sont reliées. Ouais, bon, elles sont reliées. Comme ça, en plus, il a pure pop. Ok, donc vous voyez qu'il nous balance des pièces. Il y a que là où il va pouvoir vous enquiquiner. Puisque du coup, pendant votre montée, il peut vous tuer. Mais bon, là, c'est tranquille. Du coup, là, vous avez un petit mineur qui surveille l'entrée. Et vous avez aussi la maison d'un mineur. Le problème, c'est que je peux plus l'atteindre. Et en fait,
j'aurais bien aimé l'atteindre. Donc vous avez la mission d'Amilar avec une porte. Le problème c'est que je peux plus atteindre la porte. Donc je vous montrerai tout à l'heure quand on décortiquera le niveau. Donc là vous voyez que la porte mène à un tuyau, hein, voilà. Donc là vous avez vu qu'un mineur, en fait, voilà, il mène l'entrée d'une grotte, d'un passage sous grotte, donc après on ressort. On arrive dans un truc à 3 plans et tout simplement on arrive et on gagne. Voilà. C'était pas du tout compliqué. C'est vraiment un niveau extrêmement facile. Donc évidemment, vous voyez, la porte, j'avais pas pu la prendre parce que la porte est menée à un autre petit endroit. Donc on va faire modifier, comme ça on va pouvoir aller plus rapidement où je voulais aller. Alors, où est-ce que je voulais aller? Je voulais aller là. Oh, excusez-moi, c'est à bouger. Ok, donc tac tac. Et donc là, en fait, cette porte, c'est un peu un truc additionnel puisque vous n'êtes pas obligé d'y aller. C'est juste pour, voilà, parce que j'avais envie que le niveau puisse faire quand même quelques trucs, voilà, que ce soit pas amusant. Et donc là, vous pouvez prendre une fleur de feu. Donc vous avez deux passages. Donc soit vous êtes là, et ça va être que de la ligne droite, voilà. Je vais vous le représenter avec ça. Le minage opti dans Minecraft, simplement. Donc on creuse en ligne droite. Donc l'étoile qui ne sert strictement à rien, puisque vous allez voir qu'arriver au bout du minage opti, elle aura plus son effet. Alors, ça c'est juste pour rigoler. Puis j'ai mis un checkpoint qui sert strictement à rien non plus. Vous voyez que là, voilà, elle sert plus à rien du tout. Ok, donc là, on s'est fait toss par un petit Goomba, voilà. Ok, je me suis failli, c'est pas grave. Donc, vous aurez que des monstres. Donc voilà, donc avec des squelettes pour représenter les squelettes. Des boboums pour représenter les creepers. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je ne sais même plus. Voilà, on va voir ça de plus près. Ouais, mais pourquoi j'ai mis un gros mur là? Ah, ok. Et donc là, voilà, j'ai mis des combats pour faire comme si c'était des mineurs, voilà, simplement. Voilà, en gros, c'est tout. Hein, ça, c'est un niveau court, certes. Mais que je suis quand même content d'avoir fait parce qu'il m'a quand même pris un peu de temps. Mais je trouve que je l'ai bien construit. Et quand je le vois, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Donc voilà, après, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis écoutez, voilà, c'était passé une bonne journée, une bonne soirée. See you tout le monde. Bye bye.